Bonjour, petite vidéo de comment connecter un FQ2 en Ethernet IP sur un automate SysMac en utilisant la librairie que j'ai créée. Donc, dans cette vidéo, je vais voir la configuration du FQ2 pour le Ethernet IP. Je vais voir comment aller télécharger la librairie que j'ai créée et comment l'utiliser dans SysMac Studio. Donc, on commence. On va aller vers TouchFinder en premier. TouchFinder, c'est le logiciel pour configurer le FQ2. Donc, je vais me connecter directement sur un FQ2. Je suis en mode run sur FQ2. Pour aller voir la configuration, il faut passer en mode programme, donc Sensor Settings une première fois. Une fois qu'on est en mode programme, pour voir les configurations de base, parce qu'Ethernet IP fait partie des configurations de base, il faut retourner dans Sensor Settings qui est dans le même coin en bas à droite. Dans les configurations de base, la liste est ici, on va trouver Data Output. Et en dessous de Fieldbus Data Output, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement sélectionner Ethernet IP au premier choix. Dans le Handshake, il faut sélectionner Non. Certains cas, on peut sélectionner Oui. Mais il faut savoir qu'il faut créer dans l'automate un heartbeat pour éviter les erreurs de communication. Et ensuite, il faut aller chercher le nombre de bytes d'échange. Donc, dans le nombre de bytes d'échange, si je vais à la page 105, où es-tu, page 100? 105, je vais montrer un petit quelque chose rapidement. 104. Où est-ce ici? 105. Où est-ce 105? Ici. Donc, à la page 105, ils disent que si on a 256 bytes d'échange, nous allons échanger de 0 à 63 les données, donc 64 données. C'est important parce que la structure, la façon que je l'ai bâti, on me dit 64 data out. Donc, c'est le nombre de data et non pas le nombre de bytes que j'ai nommé dans ma structure. Donc, 32 bytes, c'est 8 mots d'échange, c'est qui est 0 à 7, et ainsi de suite. Si je retourne maintenant dans le choix, je choisis 256, ça veut dire qu'on va utiliser ma structure à 64 double integer. Donc, je sauvegarde les données. Ne pas oublier que, un, faut sauvegarder, et deux, faut redémarrer le FQ2 pour que les configurations de base soient prises. Soit mise en effet. C'est lu seulement à la mise en marche. Donc, première étape faite. Deuxième chose, comment télécharger ma librairie? On va sur une page Google et on cherche Omron Biz, BIZZ, tout d'un mot. Oups, Omron Biz, tout d'un mot. Le premier lien, c'est mon site et sur la page principale, vous allez retrouver un bizvision.slr. SLR, c'est SysMac Library. À partir de la version 400, vous allez trouver les structures du FQ2. Donc, si j'ai 410, c'est correct. Pour télécharger, on clique dessus et dans Chrome, faut ensuite aller sur le bouton en haut à droite, télécharger, pour sauvegarder le fichier .slr. Maintenant, on est prêt à aller dans SysMac Studio. Je vais partir un nouveau projet, un contrôleur, pourvu que ce soit un contrôleur avec Ethernet IP, tous les contrôleurs longs, je vais choisir NX1P comme le modèle de base. Je vais cliquer OK. Donc, je pars un nouveau projet. La première des choses, je vais insérer la librairie qu'on a téléchargée. Donc, dans le menu Projet, Librairie, voir les références. On clique sur le bouton Plus et on vient sélectionner le fichier qu'on a téléchargé. Donc, dans la fenêtre, on clique OK sur le message. Dans la fenêtre de librairie, si je mets plein écran et je viens ouvrir ma librairie dans la section Data, dans Data Type, et je viens cliquer à gauche du mot Root, on voit maintenant toutes les structures qui ont été créées, qui font partie de la librairie, et la FQ2 est ici. On voit plusieurs possibilités, plusieurs structures. Celle qui va nous intéresser, dans mon exemple, c'est la 64 Data, étant donné que j'ai utilisé le 256 bytes d'échange. Donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc, je viens cliquer OK. Deuxième étape dans SysMac Studio, c'est de créer les variables globales qui utilisent les structures qu'on vient de télécharger. Donc, dans variables globales, je vais me créer un FQIN et un FQOUT. FQIN,
cuisine qui va être en entrée. Monte à ta tête, c'est B pour biz. Ensuite, je peux faire un backslash pour rentrer à l'intérieur. Choisir FQ, backslash. Et j'utilise la EIP IN64 data, comme j'ai dit. Encore une fois, étant donné parce que j'ai utilisé le 60, 256 mots d'échange. Mon network publish doit être en entrée pour une entrée Ethernet IP. Je vais en créer aussi un FQ out. Mon FQ out. Maintenant, je vais aller chercher mon Ethernet IP out et mon network publish doit être à out. Donc, je vais montrer à la fin, c'est le minimum que ça me prend pour créer ma connexion. Mais si je veux envoyer une commande, je vais montrer un petit extra. Je vais me créer un FQ commande. Et dans mes échanges qui est ici, je vais aller chercher mon sub-élément backslash command code pour que l'automate puisse exécuter des fonctions OFQ2. Donc, c'est un petit bonus qui est dans ma structure. Donc, les variables globales sont créées. C'est pas ici que je voulais. Maintenant, je dois aller dans le menu Tour et créer ma connexion Ethernet IP. Donc, je viens ici, Ethernet IP Setting. Je peux cliquer à droite sur la carte Ethernet, aller dans Edit. Et ensuite, je dois créer mon tag set d'entrée. Je peux réutiliser le même nom que ma variable globale, mais ça peut être comme des raisons différentes. Bon, il n'y apparaît pas, donc je dois avoir dans mes variables globales une erreur. FQIN est bien là en entrée. Je retourne dans Ethernet IP. Ah, c'est un autre tag set. Delete. New tag. Et, comment? F. Et voilà, avec 272 mots d'échange. Ce chiffre-là est important. Ensuite, dans mes out, je vais me créer un FQ out qui est un tag set. Ensuite, dans mon tag set, je vais mettre un tag. Le FQ out qui est 20 mots d'échange. C'est parfait. Maintenant, je vais créer ma connexion. Je dois ajouter mon FQ2. L'adresse IP du FQ2. Ensuite, je viens choisir FQ avec la version. Une chose importante maintenant, le fichier EDS du FQ2 est un fichier configurable. Donc, je dois aller cliquer sur mon device, aller dans Édition. Et on a vu tantôt qu'on avait 272 bytes d'échange dans la structure. Donc, on doit utiliser 272 bytes ici aussi. Donc, je clique OK. Je vais maintenant ajouter une connexion. Les deux instances sont 101 et 100. Sont les adresses de connexion du FQ2 Ethernet IP et au niveau de mon automate, c'est mes deux tag sets qui sont mon FQIN, FQOUT et on remarque que la quantité de mots d'échange 272 est égale et 20-20. Les deux sont égales, donc le tout est correct. On peut télécharger un transfert vers le contrôleur et tout va être fait. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air au niveau du programme? Si on va aller créer un trig, on pourrait dire, bon, c'est condition 1. On doit savoir deux choses avant d'envoyer un trig. Un, s'il est en mode run, et deux, s'il est prêt, s'il est ready. Donc, je vais aller chercher un F dans mes in.statut.run. Donc, je veux savoir s'il est en run. Donc, on va. Et ensuite, je vais aller me chercher F.statut.ready. Si les deux sont à on, comme ceci, on peut passer maintenant un trig. Donc, on va aller dans fout.command.trig et en activant cette sortie, le FQ2 va prendre une image et va analyser, va exécuter le programme. Maintenant, pour recevoir les données, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller, ça ici. On doit aller dans premier pour savoir quand que ça va arriver. Donc, c'est au front descendant du busy qu'on reçoit les données. Donc, on va dans statut. On va chercher le busy. Ensuite, on va chercher une instruction qui s'appelle down, qui va décrire un front descendant.
Et ensuite, on peut aller chercher une instruction move. Puis notre move, on va aller chercher nos données. Ça va être dans in. Ça va être dans data. Puis là, on va avoir le choix de mettre un crochet entre 0 et 63 pour nos 64 possibilités de données de réception. Je vais créer data. Entre brackets, le premier, c'est 0, 0. C'est fait. Et ça va aller dans MyData, qui est une variable de mon PLC. Et cette variable-là, ici, elle doit être une variable double integer. Comme ça. Donc, si je viens ici, là, MyData double integer. Ça fonctionne. Je télécharge ça. Ma connexion Internet IP est établie. Je suis capable d'envoyer un trig, donc de prendre une image, exécuter mon programme et de recevoir mes data. Si maintenant je veux envoyer une commande à mon FQ2, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me créer une condition 2 qui est ici. Puis sur ma condition 2, je vais sélectionner la commande, donc une instruction move. De mon instruction move, je vais aller chercher mon FQ commande. En entrée et en sortie, je vais aller le porter dans le FQ2. Donc, ça va être FQ2 out. Point, command code. Comme ça, ici, j'envoie une commande. Et pour exécuter cette commande-là, c'est la fonction exe. Donc, je vais aller dans o, FQ, out, point, control, point, exe. Comme ça, ici, le exe exécute la commande envoyée. Donc, comment choisir la commande? Je vais passer en mode simulation. Je vais vous montrer, c'est très simple. Le FQ commande, c'est une énumération que j'ai créée. Dans le manuel, les commandes sont des commandes à chiffres. Donc, 10 005, c'est la commande qui exécute quelque chose. Puis d'autres, les chiffres. On voit le chiffre qui est ici, qui est un chiffre qui nous dit rien. On doit absolument avoir le manuel pour comprendre quelle commande. Mais ici, j'ai listé une énumération. Donc, c'est une liste de mots. C'est le nom des commandes qu'on retrouve dans le manuel. Le premier est beaucoup utilisé, le Start Continuous Measurement. Ça veut dire que le FQ2, aussitôt qu'il finit, recommence. C'est comme en mode continu. Je viens cliquer mode continu. Je dis OK et je donne ma condition ici. Et le FQ2 exécute cette commande-là, donc tombe en mode continu et exécute son programme en continu. Puis si je m'en viens ici, puis End Continuous Measurement, et je viens faire un changement comme ça, le FQ2 va arrêter son mode continu. Il y a un paquet de commandes comme ça qu'on peut créer qui sont listées. Donc j'espère que ceci va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi au Brandbiz.